sais pas, ça donne un but. T'sais, tu te lèves le matin, tu vas à l'école, tu fais tes affaires, puis tu reviens le soir chez vous, tu te sens comme satisfait de ta journée. Hein. T'as pas rien fait, puis t'as pas. C'est toi qui l'as fait, tu t'es levé, tu t'es allé, puis t'as fait ce que t'avais à faire, dans le fond. Hein. Tu te sens accompli, finalement. Allô, mon nom c'est Jennifer, j'ai 27 ans. On est au Mont-Jacob à Jonquière, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ben, dans le fond, quand j'étais au secondaire, je me suis fait intimider, puis j'ai lâché l'école à cause de ça. Par après, dans le fond, je suis allée aux adultes pour finir mon secondaire, mais j'ai pas réussi à le finir à ce moment-là. J'ai commencé à travailler d'un bord, j'ai rencontré le père de mon fils. Ça a pas très bien viré, là. Quand je me suis séparée avec, je suis retournée aux adultes pendant que j'avais mon fils. Par après, j'ai rencontré un gars qui était violent puis qui me battait. Après ça, ben, je suis allée vivre chez ma mère puis elle m'a beaucoup aidée. En 2015, j'ai fini par pouvoir aller finir mon secondaire aux adultes. Après ça, ben, dans le fond, je me suis inscrite pour faire mon DEP en dessin industriel. J'ai été acceptée, j'ai commencé. Puis c'est ça. Là, je suis vraiment contente. Dans le fond, je suis tout le temps à l'école, je manque jamais une journée, puis tous les matins, je me lève en me disant que, tu sais, je vais continuer, puis je lâcherai pas, là. Ben, c'est sûr que j'avais peur de me planter, j'avais peur de ne pas être capable. Aussi, en même temps, je suis dans un métier non traditionnel, fait que c'est un métier d'homme. Puis, tu sais, c'est sûr que tu es entouré d'hommes, là, c'est pas pareil que. Un métier normal, dans le fond. Fait que t'as tout le temps peur de te faire juger, ben, tu sais, que ça serait jamais assez correct parce que t'es une fille pis tout. Là. Les peurs, je les avais comme laissées derrière moi, dans le fond. Là. Fait que je me suis dit qu'il fallait juste que je fonce pis. J'avais plus de temps à perdre non plus. Là. En même temps, c'est pour mon fils aussi, tu sais, je veux le récupérer puis je veux être une bonne mère, je veux avoir mon métier, je veux tout, dans le fond, qu'est-ce qu'une personne normale veut, tu sais, au final. Là. Je veux être heureuse puis je veux aimer ce que je fais. Maintenant, je suis confiante en même en la vie, je suis confiante en tout. J'ai gagné de la force. Je suis plus zen, je suis plus capable de me dire que il y a des bonnes choses qui arrivent, même si on pense que non.